Yop les amis, c'est Svensket, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de booster. Mais avant tout, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année. Je vous lance mes meilleurs vœux. J'espère que cette année 2018 sera vraiment bonne et productive pour vous. Voilà, après, quant à l'avenir de la chaîne, j'ai pas vraiment pour l'instant de nouveautés en tout cas en tête. On va continuer sur ce qu'on est pour le moment, donc de l'ouverture de booster et du Pokémon Go. Du coup, donc, on va s'ouvrir un petit tri-pack Pokémon Soleil et Lune, Invasion Carmin avec Archiduc. Et nous avons un petit booster Pokémon Soleil et Lune, Ombre Ardente, du coup, dans ce pack. Et ensuite, je vous présenterai également la petite collection de fèves Pokémon. Disponible chez Leclerc. Donc on verra ça après. Là pour le moment, ça va être l'heure de l'ouverture du tri-pack. J'ai la petite paire de ciseaux juste à côté. Voilà, c'est parti. On va essayer d'éviter de péter. J'ai une paire. Oh, ça va encore. Et hier, j'ai une paire de ciseaux qui coupe super bien. Hein. Je vais vous montrer un peu la gueule. Voilà, c'est des petits ciseaux, des trucs qu'on a tous à l'école primaire. Donc allez, du coup, c'est parti. On va ouvrir ce tri-pack. On espère avoir de la bonne carte, bien évidemment. Tac. Donc pour commencer, nous avons la petite promo Archiduc. Très belle illustration d'Archiduc. On va faire la petite mise au point. Oh, ouais, bon, ok. Ça veut pas trop. Donc la petite Archiduc, les trois boosters et le petit jeton qui est juste là. Voilà, le petit jeton. Tac! Donc le petit jeton. Je sais plus le nom de ce Pokémon, hein. Clairement, je sais plus. Tac! Les trois boosters qui sont pleins de scotch, comme d'habitude. En voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, je vais essayer de refaire un petit zoom sur le Archiduc. Voilà, là on le voit bien. Voilà, donc très très belle illustration d'Archiduc, du coup. Tac. Et donc, il y a encore du scotch. Il y en a vraiment partout. Donc, on va commencer par le petit Ombre Ardente et puis on va se garder les deux Invasion Carmin pour après. Allez, c'est parti. On espère que la chance va être là. Allez, le petit code online, c'est cadeau, c'est pour vous. Hop! Allez, c'est parti, on va bien voir ce que nous réserve ce petit tri-pack. Alors, on commence avec Oot-Oot, le Goupix d'Alola. Tarsal, oh, je l'avais pas celle-ci. Oh, il est mignon. Mignon petit Tarsal. Le Tadmorph d'Alola. Farfuret, que j'avais déjà. Une énergie. Tac, on va la mettre de côté. La carte dresseur, Alixia. La carte dresseur, qui avait. Alors, qui avait, qui avait, qui avait, je pense plus, hein, parce que qui avait, ça fait un peu bizarre. Rhinophéros. Rattata d'Alola. Oh, elle est très très belle en reverse, celle-ci. Magnifique Rattata d'Alola en reverse. Très belle illustration aussi. Et pour finir, oh! Ah, ah, c'est génial! Yes! Marchado GX, les amis. Ah, on commence vraiment très bien cette année 2018 avec cette petite ouverture de booster. Ah, je suis vraiment super content. Merde, j'ai pas sorti mes protège-cartes, donc on va la poser doucement. Ah, elle est vraiment magnifique. Magnifique Marchado GX. Ah, je suis content. Très, très content, les amis. Vraiment. Il est beau. Très beau. Allez, hop, on met ça de côté. Très bien. Hop, allez, du coup, on enchaîne avec l'invasion Carmin, cette fois-ci. Ouh, booster très très bien scellé. Allez, bon, ben, c'est déchiré, tant pis, j'aurais bien voulu garder l'illustration. Mais c'est pas grave. Allez, hop, ça c'est cadeau. Tac. Allez, let's go. On croise les doigts, les amis. Solochi. Carabingue. Carabingue? Carabingue? Je connaissais même pas ce Pokémon. Pokémon oublié. Bébé Caille. Férosinge.
Rémored. Une carte énergie. Une carte dresseur, Rome Combat. Galégon. Bah, encore une carte dresseur, Rome Psy cette fois-ci. Avec le magnifique Sylvalier derrière. En reverse, nous avons le terrain dévoré. Très belle illustration aussi. Et pour finir, nous aurons Dardarnian en simple rare. Ok. Pas de GX, pas de full art. Même pas une petite holo. Oh mais dis donc, ces boosters, c'est fou. Ah ouais, bon ouais, c'est pareil. Celui-là, il est défoncé, c'est pas grave. Allez, du coup, le code, voilà. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2. Allez, on espère. Oh ben, on commence avec le même. Donc, on continue du coup avec Soloshi encore une fois. Ben, encore? Ben, je vais avoir les mêmes cartes ou quoi? Mais what? Mais what? C'est exactement la même disposition de cartes. C'est exactement pareil. Donc une énergie. Ah, là on change. Mais alors les 3-4 premiers, c'était exactement les mêmes. Là, c'était quand même assez hallucinant. Donc du coup, attrape riposte en carte dresseur. Oh, Ekaïd. Très belle illustration d'Ekaïd aussi. Sur cette carte. Excavarène. Il fait vraiment gros sac qui vient de bouffer sur cette illustration. Ça fait vraiment le mec, je tape ma sieste, j'en peux plus. Ensuite, en reverse, Galekid. Très belle reverse. Et enfin, pour finir, Staros. Bon, Staros, tout ça. Ok. Donc, nous avons eu. Ah, bref, non, ce Marchado GX, franchement. Magnifique. Donc nous avons eu le Ratata d'Alola en reverse, le Marchado. Nous avons eu le Galekid en reverse. Et puis bon, ben, les simples rares, on va pas les mettre, hein. Et puis évidemment, du coup, la petite carte promotionnelle Archéuk. Archéuk. Archéduc. Ou Archéduc, ça dépend, hein, les gens, comment ils le disent. Voilà, dans l'anime, hein, Félinferno s'appelle Félinferno. J'ai trouvé ça assez bizarre, hein, dans le Pokémon, dans le dernier film Pokémon. Mais bon, ma foi, après, c'est peut-être la traduction officielle française, même si Félinferno me fait un peu bizarre. Voilà, donc, question ouverture de booster. On est bon, les amis. On va pouvoir passer maintenant aux petites fèves Pokémon qui sont distribuées dans les galettes, les galettes des rois chez Leclerc. Donc ces petites fèves, vous les trouverez logiquement au prix de 14,90 € le coffret. Le coffret est à 14,90 € chez Leclerc. Donc vous avez les 10 fèves qui sont dans les galettes, plus la fève exclusive de Pikachu. J'ai été un petit peu déçu de ces fèves. Les finitions sont un petit peu bâclées, on va dire. Et puis... Malheureusement, pour un produit officiel, il y a des fautes. Regardez, Goinfrex est devenu Groinfrex. Donc j'ai un petit peu rigolé en voyant ça en rentrant chez moi. J'ai fait, non mais les gars, sérieux, vous pouvez pas faire des fautes pareilles. Et alors, ça va être compliqué, je vais devoir vous le mettre sur le côté. Et Goupix est devenu Groupix. Voilà, c'est le Groupix d'Alola. C'est un nouveau Pokémon. Le Mimiki devient. D'habitude, il est un petit peu jaune pâle, là, il tire un petit peu sur le vert caca, hein, on va dire ça. Après, le reste, le reste après, ça va. C'est pas non plus ouf, mais c'est vrai que pour un produit officiel, j'étais un petit peu déçu de voir ce genre de faute. Surtout sur Goinfrex et Goupix, qui sont quand même des Pokémon qui sont d'ancienne génération. Qu'ils aient fait une faute sur Togedemaru, à la limite, ou des choses comme ça, ce sont des Pokémon assez récents. Donc. Peut-être ça aurait pu passer, mais là, non, sur Goinfrex et sur Goupix, j'étais un petit peu déçu. Alors ça, c'est pareil, je vais le sortir de son emballage quand même, ce coffret. Je vais ressortir les ciseaux. Hop, alors attendez, je vais faire ça comme ça. J'ai pas envie d'abîmer le carton. Tac. On va essayer de sortir ça comme on peut, là. En voilà un bout. Il y aura peut-être un petit peu moins de reflets aussi une fois de sortir sa boîte en plastique. Oh, cette galère. J'aurais dû vous le sortir avant, ça aurait été moins chiant.
Alors mon petit pote, est-ce que tu veux bien sortir là? Ça y est, ok. Bon ça, hop, désolé pour le bruit. Ah voilà, il y a un petit peu moins de reflets, on voit un petit peu mieux quand même l'état des fèves, et j'ai l'impression que ça s'ouvre par en dessous, je sais pas comment, par où ça s'ouvre. Ouais, bon, je vais même pas l'ouvrir, je pense. Ah, quoi que, attendez. Les fèves vont. Ah, il y a carrément un petit aimant, d'accord. Voilà, bon, ben voilà les fèves. Voici les fèves qui resteront dans leur boîte, hein, du coup. Mais, non, d'accord, le petit coffret, il est aimanté. Bon, ben c'est super ça. En tout cas, le coffret est vraiment beau. Tac, j'essaie de vous le montrer un petit peu en entier, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas trop la place. Mais voilà, du coup, ça c'est le derrière. Et puis sur les côtés, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme ça. Voilà, mais en tout cas, je tenais vraiment à me faire ce petit coffret voilà, pour me faire plaisir. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite encore à tous et à toutes une bonne année 2018. Et on se retrouve très très vite, en tout cas pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et tout de suite retrouver ma nouvelle outro, en tout cas spéciale 2018. Ciao!